Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale élections régionales. Ce soir, c'est Brigitte Barège qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pendant une heure, on va parler de vous. Et on va commencer par vous présenter. Vous êtes née le 1er mai 1953 à Toulouse. Oui. Vous avez grandi dans le Tarn, à Réalmont, plus précisément. Alors, c'est quoi? C'est une enfance plongée dans le monde rural un petit peu? Pas vraiment, parce que le monde rural, je l'ai découvert avec mon mariage, puisque j'étais fille de médecin, d'une famille nombreuse. Je suis l'aînée d'une famille de 8 enfants. J'ai fait mes études au lycée d'Albi. J'étais dans un milieu, on va dire, urbain-rural, puisque... Et ensuite, j'ai fait mes études à Toulouse, à la faculté de droit. Et l'agriculture, je l'ai vraiment découverte avec mon mariage. Donc, j'avais 22 ans. Avec un arboriculteur. Avec un arboriculteur. Je me suis installée à Montauban à cause de ça, parce que les vergers, ça ne se déplace pas. Mm-hmm. Et c'est moi qui me suis installée à Montauban. D'accord. Donc, des études de lettres classiques au lycée Bellevue d'Albi. Tout à fait. Ouais. Vous étiez bon élève? Je crois que j'étais plutôt bon élève, oui. Ouais. Donc, après, vous êtes partie sur Toulouse pour faire vos études. Hein. Des études pour devenir avocate, c'était votre vocation dès le départ? Je veux dire, quand on sort avec un bac très littéraire, puisque j'avais fait latin grec, on n'a pas beaucoup d'opportunités, comme on a une section scientifique, et j'aimais beaucoup le dessin. J'ai hésité entre les beaux-arts et le droit, parce que j'avais passé le concours général de dessin. J'aime beaucoup la peinture. Bon, bref, j'ai choisi le droit. Mm-hmm. Je ne vais pas regretter. Hein, ça, puisque, c'est plutôt bien. Ouais, ça, j'ai appris un métier que j'aime beaucoup. Le métier d'avocat. Ouais, et finalement, l'art, vous y revenez des fois? Oui. C'est votre passion? Vous continuez à peindre, par exemple? Peindre, c'était mon but. Je m'étais dit, tu pourras faire du droit et tu pourras continuer à peindre. Je vais être honnête avec vous, non. Mm-hmm. Mais je me suis beaucoup intéressée toujours à la peinture. C'est vraiment un des arts que je préfère. Qu'est-ce qui vous séduisait dans le métier d'avocat et qui vous séduit encore, je suppose, hein, ou j'espère, en tout cas? C'est vraiment... j'avais hésité là aussi entre le notaire ou avocat. Mais vraiment, c'est avocat, parce que j'ai trouvé un stage d'avocat. Ça se fait comme ça un petit peu, hein, ouais, la vie, vous savez bien. Il y a des hasards, il y a des carrefours. Je crois que c'est le métier qui me correspondait le mieux, parce que j'aime être au service des autres. Et c'est un métier où on est un peu comme un médecin de famille, comme était mon père. Il me semble qu'on est les premiers confidents des difficultés des gens, alors qu'il s'agit de la question familiale, des questions financières, d'entreprise. J'étais un peu spécialisée, moi, dans les petits clients, les surendettés, la clientèle des divorces. Le droit rural. Et le droit rural, voilà. J'y reviens, puisqu'effectivement, je me suis un peu spécialisée là-dedans. Donc, ça vous a permis un peu de revenir aussi à vos origines à travers votre métier? Absolument. Ouais. Je pense que l'agriculture, c'est, vous le savez, c'est le fil rouge. On y reviendra, voilà. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de cette campagne et de vos idées. Votre diplôme, vous l'avez eu en 1976. Oui. Voilà. Et vous êtes de suite allée sur Montauban? C'est-à-dire que, je me suis mariée, j'étais en deuxième année de droit, donc j'ai fait mes études, je le dis souvent parce que la mobilité est un vrai sujet, prenais le train tous les jours entre Montauban et Toulouse pour aller à la fac de droit. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant tout en étant poursuivre mes études. Après ma licence, j'ai passé un temps le CAPA, qui est le concours, vous savez, l'examen pour être avocat, et puis je me suis inscrite au barreau de Montauban, j'avais 23 ans. Bon, vous avez exercé un bon moment avant de rentrer en politique, hein, finalement, parce que vous entrez en politique au RPR en 1993. C'est une carrière politique plutôt tardive, hein, finalement.
tout à fait. Et ça, c'est le problème des femmes, hein, de manière générale. C'est un peu un accord avec mon mari. J'ai 3 enfants. Mm-hmm. Et donc, j'avais décidé. Enfin, à un moment donné, vous savez, quand vous avez une vie professionnelle quand même assez remplie, hein, profession libérale, concilier une vie de famille, à laquelle j'étais attachée. Moi, je voulais avoir 6 enfants quand je me suis mariée. Puis bon, mes ambitions ont décru quand même au fur et à mesure. C'est quand même pas mal, voilà. Et je ne regrette pas. Donc, bien, il y a un temps pour tout. Mm-hmm. Et c'est vrai que. Je me suis investie en politique, je vais vous dire pourquoi. La vraie carrière politique, c'est 2001. Hein. Oui. Mais pourquoi en 93? Parce que j'étais choquée par les dévoiements de l'argent public, tous ces grands scandales qu'on a eus. Vous ne l'avez pas connu, vous étiez trop jeune. Mais toutes ces histoires de Ferrurba, en fait, toutes ces histoires de gabegie et même de corruption, on va bien dire. Et donc, il y avait quelqu'un qui portait ce combat, qui s'appelait le juge Jean-Pierre, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Et ça m'a première... adhésion politique, c'était pas RPR, c'était monter une association avec pour lutter contre la corruption. Ça, ouais. C'est quelque chose qui est là aussi quelque chose qui m'a toujours conduite. Et c'est pour ça que je me suis engagée en politique. Donc ça, c'était un an avant, hein, à peu près. Quasiment, 92. Voilà, l'association 92. Qu'est-ce qui vous a donc ça c'est ce qui vous a poussé à sauter le pas. Vous y pensiez depuis un petit moment quand même. Je vais être honnête avec vous. Mon père était quand même quelqu'un qui, dans le Tarn, était conseiller général simplement, mais qui en même temps était longtemps président du RPR, enfin de l'UDR, UNR, RPR. C'est un gaulliste, on va dire, convaincu. Je crois que j'ai effectivement été imprégnée hein, de ces idées. Maintenant, si vous voulez, et je m'adresse aux jeunes, à un moment donné, j'entends beaucoup de gens, là, ils se méfient des politiques, ils trouvent que la politique... Je crois que, eh bien, il faut être acteur. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas content de quelque chose qui ne va pas bien, eh bien, il faut savoir prendre ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée vraiment dans une conquête politique, c'était en 2001. Alors vous venez de le dire, vous avez été fille d'un homme politique. Oui. Comment ils le voient, vos enfants, d'être fils d'une femme politique? Alors, ça, il faudrait que... Je crois qu'ils sont... c'est assez amusant. Vous savez, il y a toujours, on le dit toujours, la querelle des générations. Je vais vous faire une confidence. Mon fils, qui était plutôt anarchiste, qui a même voté Robert Rue pour des présidentielles. Vous voyez que pour une maman, c'est toujours terrible. Finalement, lui est très intéressé. Bon, il est au Canada aujourd'hui. Alors, il est devenu beaucoup plus libéral depuis qu'il vit là-bas. Il est même choqué quelquefois de voir l'évolution de la société française. Mais de fille, par contre... je pense la dernière qui est avocate comme moi, qui est à Paris, qui fait des études encore. Je crois que j'ai un peu des cours. Enfin, ils ont moins cet intérêt, peut-être parce qu'ils en voient un peu le côté quand même très qui prend beaucoup de temps, hein, notamment la vie de famille. Mais dans la démarche par elle-même d'être en politique, pas dans vos idées, mais ils vous encouragent. Oui. Ou ils vous disent que c'est dangereux quand même finalement. Ils me soutiennent, ils sont inquiets. Bon, je vois mon fils du Canada, il surveille ça sur Internet, justement. Il regarde la presse à travers donc, ce qu'il en lit sur Internet. De temps en temps, il m'interroge. Je me dis, comment ça va, maman? Est-ce que tu tiens le coup? Bon, c'est normal, quand même. Mais je pense qu'ils sont derrière moi, oui. Ouais. Mais pas vraiment militants. Hein. C'est peut-être ce que vous voulez me demander. Non, pas vraiment militants. Non. Alors, en 99, vous devenez secrétaire départemental du Tarn-et-Garonne, au niveau non, c'était le RPR encore. Oui. L'UMP en 2002. Oui. Et puis après, vous en parlez depuis tout à l'heure, 2001, c'est votre premier mandat. C'est vrai. J'ai l'impression que vous avez eu une carrière politique plutôt linéaire, hein, c'est-à-dire tout dans l'ordre. Ben, tant mieux que vous le jugiez ainsi. Je pense que c'est un peu la différence. Je vais faire une petite confidence. Je vois des jeunes, notamment, qui font leur carrière politique, sortis de Sciences Po. Pour eux, il n'y a qu'une voie, c'est la politique. Je crois sincèrement qu'il est beaucoup plus sain d'avoir d'abord exercé une profession, quelle qu'elle soit. Toutes les professions peuvent vous apprendre la vie, tout simplement, avant de se lancer en politique. Enfin, moi, je pense que c'était une belle expérience. Moi, ça m'avait frappé un jour, Villepin nous avait réunis, les femmes étaient premier ministre à l'époque. De temps en temps, ils s'occupent des femmes, les hommes en politique. Le 8 mars, vous savez, bientôt, nous allons fêter la fête internationale des femmes. Il nous avait réunis tout un tas de mères autour de lui pour savoir qu'est-ce qui nous avait conduit en politique. Alors, je voyais autour de la table toutes ces femmes qui disaient « Ah ben moi, c'est par accident, ou c'est pour rendre service, ou c'est pour ceci. » Et au bout du compte, il a fait une conclusion que je trouvais terrible. Au fond, vous n'aviez pas de carrière politique. Eh bien oui, peut-être que c'est notre façon, les femmes, d'être pragmatique, de dire à un moment donné, ben, on veut donner un peu de notre temps pour la chose publique. Ça vous permet d'être plus en adéquation avec le monde réel, il me semble. En tout cas, ouais. Il me semble. On
on reproche toujours ça aux politiques, hein, d'être voilà. un peu dans leur bulle. Vous, vous pensez que vous avez vécu d'abord dans le monde réel et après... C'est ça, et je ne veux surtout pas perdre le pied avec le monde réel. C'est pour ça que je fais beaucoup de terrain. Dans les images que vous avez montrées tout à l'heure, je me permets de vous le dire, j'ai l'impression que je suis seule, j'ai l'air un peu très chicose, là, dans des salons, alors que je suis une femme de terrain. Je me promène beaucoup dans la campagne, je fais une campagne vraiment de terrain. Et on comme... vous a demandé des images, hein, on les a eues trop en retard. Pardon, ce n'est pas un reproche, mais ça ne cale pas tout à fait à ce que je voudrais donner comme image de moi, parce que ce n'est pas tout à fait la réalité, même si, par contre, je suis mieux peignée qu'aujourd'hui. Bon, alors, un an plus tard, vous devenez députée de la Haute-Garonne. Les deux fois, vous n'étiez pas annoncée gagnante dans les sondages. Hein. C'est vrai, jamais. Et toujours pas, d'ailleurs. Toujours pas. Et même pour les primaires, quand on a eu les primaires à l'UMP, vous savez, l'année dernière, il y avait contre moi quelqu'un qui était avec moi maintenant, qui était de lycée Hautes-Pyrénées, Gérard Trémège, maire de Tarbes. Mm-hmm. Et tout le monde, comme il était le chef de file de l'opposition à la région, pensait que je n'avais aucune chance. Et puis, moi, je crois beaucoup au pouvoir de conviction, à la rencontre, le terrain, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, la sincérité. Mm-hmm. Je pense que c'est ma marque de fabrique. Alors, Montauban, vous y avez été un petit peu par contrainte, finalement, oui. Une contrainte plutôt sympathique, mais par contrainte. C'est vrai. Maintenant que vous retrouvez maire, ça paraissait logique, finalement. C'est une ville que vous avez apprivoisée, vous avez aimé assez rapidement. Vous avez raison, c'est ma ville d'adoption, puisque finalement, j'ai vécu maintenant plus de temps à Montauban que je n'ai vécu dans le Tarn. C'est une ville qui mérite d'être connue. Elle a été qualifiée de... Il y avait un ouvrage qui a été fait de photos magnifiques du patrimoine de Montalbanais, Montauban la secrète. Et c'est vrai qu'elle a cette rigueur de ses places fortes protestantes, peut-être cette empreinte-là. Et c'est une ville qui mérite beaucoup d'être découverte et que j'essaie de promouvoir à travers mon action municipale. Voilà, c'est à travers cette action que vous comptez rentrer dans cette campagne régionale, c'est-à-dire montrer ce que vous faites à Montauban et essayer de l'étendre sur Midi-Pyrénées. C'est un petit peu ça l'idée? Eh bien, vous avez raison de me tendre cette perche. C'est vrai qu'il me semble... que dans cette élection, c'est vrai, c'est mon premier combat dans les régionales, c'est que je crois que maintenant j'ai un peu derrière moi un bilan, il n'est pas modeste, mais enfin depuis 2001 je suis à la tête de cette ville de Montauban, et je crois que beaucoup de gens s'accordent, même mes adversaires, à reconnaître qu'elle a beaucoup changé, et j'espère pouvoir démontrer que bien, quand on a la volonté, on peut faire beaucoup de choses sans augmenter les impôts, c'est ce que j'ai fait à Montauban. Alors la ville, vous avez aussi donc l'autre mandat de député, maintenant la région, pourquoi la région? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez sans doute, c'est avec la réforme des collectivités territoriales. Les régions ont déjà un gros poids. Ouais. Mais avec la réforme des collectivités territoriales qui va être en place en 2014, c'est là que sera vraiment l'échelon incontournable de l'aménagement du territoire et de l'économie, donc de l'emploi. Donc c'est un carrefour important. Et il me paraît important de pouvoir reprendre un peu la main sur cette région parce qu'il y a de vrais, vrais enjeux, de vrais défis qu'on doit relever. Et dans les fonctions même de présidente du conseil régional, qu'est-ce qui vous attire réellement? La gestion. Je suis une femme, finalement je me rends compte, puisque vous l'avez rappelé, je suis à la fois j'ai un mandat national, où au niveau national c'est intéressant, on soulève des idées, on défend des actions, on est dans des valeurs, dans de la théorie un peu malgré tout. Et moi j'aime bien l'échelon local du mandat de maire. Et pour la région, il me semble que c'est un échelon local aussi, où on est dans l'action véritablement, où on peut vraiment décider de politiques et les mettre en œuvre. Et ça m'enthousiasme assez. Il y a beaucoup à faire. Alors, j'ai trouvé, vous avez un record, ou en tout cas, vous êtes rentrée dans l'histoire de la ville de Montauban, puisque vous êtes la première femme de toute l'histoire de la ville de Montauban à devenir maire. Être une femme aujourd'hui, c'est un atout ou un inconvénient? Et là, par exemple, là, dans cette campagne, vous le voyez comment? Alors, quand j'ai commencé en 2001, je pensais que c'était un handicap, hein, parce que c'était assez nouveau. Je crois aujourd'hui que peut-être les femmes, il ne faut pas non plus trop caricaturer les hommes, les femmes, et les hommes très bien, je vous rassure, mais je pense que les femmes ont peut-être une autre façon d'approcher la politique, plus pragmatique, plus sincère. Moi, j'ai un discours un peu franc, des fois on me le reproche. J'essaie d'être honnête, je le suis, enfin je pense l'être. Et je suis dynamique aussi parce que je pense qu'il faut agir. On n'est pas là pour durer, on est là pour agir. Enfin, en tout cas, il me semble qu'un mandat, il va être court celui-là, hein, 4 ans. Il va falloir faire rapidement des choses. Donc oui, je pense que c'est plutôt un avantage. Et après, il y a le côté féminin un petit peu fragile qui fait qu'on a plutôt envie de protéger peut-être le sexe faible, qui est encore faible quand même, hein, dans ce milieu de macho. Vous voyez, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'autre jour sur le plateau de France 3, il n'y avait que des gens qui avaient fait toute leur vie de la politique, qui n'ont vécu que de la politique. Et moi, je suis peut-être la seule à avoir cette différence. Et bien, j'ai aussi la différence d'être une femme. Et j'espère que ce sera un atout dans cette campagne. Ça peut être un inconvénient aussi lors des débats pour pouvoir prendre la parole. On l'a vu sur France 3. On sent qu'ils sont peut-être plus aguerris.
au niveau politique en tout cas. C'est une autre façon aussi. Moi, je suis respectueuse du débat, de la démocratie. Il faut savoir s'écouter, se taire, pour entendre l'autre et pouvoir lui répondre. Eux, ils sont dans la démarche de tueurs, un petit peu, de gens qui veulent vous empêcher de parler. D'ailleurs, c'est assez frappant. Ça fait un moment que je réclame un débat en tête-à-tête avec Martin Malvy. Bon, c'était le premier. On n'était pas en tête-à-tête avec un système un petit peu, vous savez, à ces jeux-là, pour gagner des millions. Là, vous savez, on appuie sur le truc. Moi, je considère ces débats à l'américaine, ce n'est pas des vrais débats. Un débat, lui, il appelle ça de la polémique. Je ne suis pas d'accord. Il a un bilan à défendre, un bilan de, pas de 6 ans, de 12 ans. Et ce bilan, j'aimerais bien qu'on puisse en parler en tête-à-tête. Bon, j'espère que le moment viendra. Bon, ben écoutez, moi, je vous fais l'offre, en tout cas. Si, avec plaisir. S'il y a besoin, j'accepte nous, tout. Nous, on est là. On verra ça avec Martin Malvy quand il viendra. Avec plaisir. Quand il viendra. Alors, je vais maintenant passer à un premier thème de cette émission. Il y a beaucoup d'abstention lors de ces élections. Hein. Les élections régionales, on l'a vu aussi, il y avait beaucoup d'abstention lors des élections européennes, juste avant. Ces mandats, on va dire, locaux, hein, plus ou moins, sont pas très prisés par la population. Alors, juste, il faudrait expliquer à quoi ça sert réellement. Et hier, il y avait Gérard Onesta avec nous. Je lui ai fait expliquer un petit peu à quoi ça servait la région. Avec vous, j'ai envie de parler du mode d'élection. Déjà, pour commencer, quel est le mode d'élection et les listes que vous avez mises en place. Qui est éligible, qui n'est pas éligible et qui va gouverner et comment? Alors, vaste question. Oui, il y en a 8 listes, ça vous l'avez déjà dit sans doute. Je ne sais pas si vous recevrez les 8 têtes de liste. C'est un scrutin à la proportionnelle à 2 tours. C'est-à-dire qu'on va voter dans chaque département pour des listes départementales, mais dont je serai, pour chaque ville, la tête de liste régionale. Ces listes sont différentes par département en fonction de la population. En Haute-Garonne, c'est 34 candidats. Dans l'Ariège, c'est 5. Dans mon département, c'est 10. Vous voyez, bon, ça varie en fonction de la population, mais il n'y en a pas moins que les électeurs de chaque département vont voter dans leur département pour leur liste départementale, mais en sachant que je suis la tête de liste régionale. Après, le soir du premier tour, et du deuxième tour d'ailleurs, on fera une moyenne régionale en voix sur l'ensemble de la région. Mmh. Et on va dégager une moyenne régionale par l'addition de tous les scores des départements. Et à partir de là, c'est un scrutin à la proportionnelle, on va déterminer en fonction des pourcentages le nombre de postes à pourvoir. Mmh. Au deuxième tour, la liste qui sera en tête, quel que soit son score, même si elle ne fait pas 50% des voix, récupérera un peu comme les municipales, 25% de sièges en plus. Donc l'intérêt, c'est d'être en tête au premier, bien sûr, mais surtout au deuxième tour. Surtout au second tour. Voilà. Et après, il y a un troisième tour, c'est l'élection. Alors oui, pardon, oui, tout à fait. Oui. Après, effectivement, en fonction, bien, c'est un peu comme les municipales, mais quand vous avez fait l'élection de la liste, les élus, les 97, je ne sais pas combien on est exactement, de la région, votent pour leur président de région, ou leur présidente, j'espère. Ben on verra ça. Alors, on va passer maintenant à ce que vous appelez, vous, de la politique politicienne. Alors, bon, on va essayer de faire ça court. Mais on va parler de la formation des listes. Ça a été un peu compliqué, hein, je crois, à l'UMP. C'était pas qu'à l'UMP, parce que vous m'avez mis que le logo UMP. Mmh. Nous sommes en fait 8 partis associés. Et ce qui a été complexe, effectivement, c'est d'abord, de règle générale, vous savez que quand on fait une liste, ben vous avez 10 fois plus de candidats que de postes à pourvoir. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Et en plus, nous, à l'UMP, on a décidé de faire des listes d'union dès le premier tour, avec donc tout ce qu'on appelle les partis associés, ceux qui sont dans la majorité présidentielle et ceux qui n'y sont pas. Donc vous avez, par exemple, le Nouveau Centre, le Radico-Valoisien, vous avez le parti des chasseurs, CPNT, vous avez le parti de Philippe de Villiers, lui qui n'est pas dans la majorité présidentielle, vous avez les partis des chrétiens démocrates de Christine Boutin qui sont dans la majorité présidentielle, et vous avez ensuite la gauche progressiste d'Éric Besson et la gauche moderne de Bockel. Donc ça fait beaucoup de monde qu'il faut arriver à amalgamer, parce que vous le savez bien, l'enjeu c'est d'être en tête de liste, puisque ce sont les premiers de liste qui sont élus, évidemment, en fonction du score, et donc c'est ça qui est un peu complexe. Donc il faut ménager tout le monde. Eh oui. Et c'est ça qui vous a pas permis de dévoiler votre liste assez rapidement, et il y a eu des désistements, tout ça. La difficulté aussi, c'est que la décision ne m'appartenait pas seule. C'est-à-dire que, par exemple, les accords avec les partis, ça se passait au niveau national, et ensuite il fallait décliner, avec un objectif que nous avait imposé le président, c'était le renouvellement et le rajeunissement. Nous avons une moyenne d'âge sur la Haute-Garonne, par exemple, de 45 ans. Ouais. Et c'est pareil en Haute-Pyrénées. Je n'ai pas fait la moyenne de toute la région, mais on est à moins de 50. C'est quand même considérable. Alors, il y a eu une des polémiques, c'est Thierry Deville, donc du PRG, qui est une des têtes de liste chez vous. Je cite juste Jean-Michel Baillet, qui dit que c'est le Besson régional, c'est un peu ça. Moi, ça ne me dérange pas, si vous voulez. Dans l'Ariège, on a des socialistes.
Je considère que, et c'est bien dommage, vous parlez de politique politicienne, on est dans une élection locale, où il y a des enjeux locaux. Bien sûr que la politique nationale s'invite à cette élection. Moi, ce que je veux, c'est réunir le plus grand nombre de gens qui ont envie de faire des choses, avec des compétences. Thierry Deville, je suis ravie. Vous le connaissez en plus. Il a été mon adversaire municipal, il est un confrère, il est avocat, je l'apprécie beaucoup. Et je me réjouis vraiment qu'il nous ait rejoints parce qu'il a une parole forte à porter, ouverte, moderne, cohérente, hein, parce que quand il parle, vous savez, des amalgames du second tour de l'autre côté, ça va pas être simple quand même. Entre un Jean-Michel Baillet, quand même, qui fait pas partie, qui est quand même fait partie des plus grosses fortunes de France, et le Front de Gauche, M. Piquet, qui prône la rupture avec le capitalisme, je parle pas des Verts et des socialistes, où là, ils ont beaucoup de choses à se dire, on l'a vu l'autre soir. Je pense que nous, on aura cet avantage qu'on sera déjà très cohérent, très unis avec un vrai projet, un seul projet. Jean-Michel Baillet, vous êtes assez dur avec lui. C'est lui qui est dur avec moi. Parce que, voilà, le fait que la Dépêche Midi soit le journal de campagne de Martha Malvy. C'est vrai. C'est un mélange des genres qu'aux États-Unis n'accepteraient pas. Qu'un grand patron de presse soit aussi un patron de parti, puisqu'il est quand même président des radicaux de gauche, mais qu'en plus de ça, chez moi, dans mon département, il soit président du conseil général et sénateur, ça fait un mélange des genres qui est quand même assez gênant pour la démocratie, tout simplement, et que je subis, en tant qu'élu local, tous les jours. Mais bon, là, il s'avère que dans cette campagne, en plus, là, C'est vrai qu'au début de la campagne, vous en avez beaucoup parlé. Même, ça passait presque avant vos idées, on parlait... C'était injuste. Voilà, de cette injustice, on a presque eu l'impression que vous le découvriez. Je le découvre pas dans mon département, mais je trouve que ce sera un vrai sujet de recours quand même, s'il y a des recours après les élections, parce que ce n'est pas normal que dans le même mois, vous ayez 150 articles sur Martha Malvy, 30 sur moi, 8 sur Onesta, mais que surtout, encore, c'est de l'information. Nous, faisons beaucoup de choses, nous sommes beaucoup sur le terrain, nous sommes mal relayés. Mais alors, ce qui est grave, c'est que vous avez des pages entières sur le bilan de Martha Malvy, ce qui n'est pas du tout le cas de notre propre projet. Et ça, c'est injuste. Bon, alors, à l'intérieur de l'UMP 31, là aussi, il y a quelques distensions, notamment avec Christine de Verac. Ça en est où aujourd'hui? Écoutez, ça, c'est derrière nous, hein, c'est des querelles de personnes. Elle avait un candidat qu'elle voulait promouvoir. On ne va pas en faire toute une histoire. Hein. Je pense que ce qui intéresse les Midi-Pyrénées, c'est ce qu'on leur a proposé, et notamment Haute-Garonne aussi. Donc techniquement, si c'est on fini. Entend... Voilà, c'est fini, je m'en réjouis. Bon alors, il faut bien revenir. Je vais vous citer un chiffre. Vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. 188. Est-ce que vous savez ce que c'est, ce chiffre? Il vous correspond? Oui, correspond. C'est mon âge? Non. Non, 188, c'est la place que vous avez à l'Assemblée nationale. La place 188. Alors, je pense que vous savez où je veux en venir. On vous a accusé pas mal de ne pas être présente à l'Assemblée nationale. 16 semaines seulement l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Alors, ça, c'est profondément injuste. D'ailleurs, je publierai sur mon site internet mes analyses de députés, comme j'ai toujours fait de maire, comme ça, c'est calé. Moi, je suis transparente sur mes revenus. Et vous verrez qu'on ne m'a pas fait du tout de retenue pour me pénaliser. J'ai lu ça, je ne sais plus dans quel journal de gauche. Disant que je n'étais pas assez présente, je vous répondrai simplement. C'est vrai qu'en ce moment, je ne veux pas vous mentir, je suis sur les régionales et je ne suis pas à l'Assemblée depuis un mois, ça c'est vrai. Mais quand je suis parlementaire en mission sur le plan de relance désigné par le Premier ministre et que j'ai la tâche d'accompagner le plan de relance sur 4 régions, Midi-Pyrénées bien sûr, l'Aquitaine, Poitou-Charentes, le Limousin, je fais mon travail de parlementaire, mais je ne suis pas à l'Assemblée. Quand je suis à la commission des lois, je ne suis pas dans l'hémicycle. Je suis dans tout un tas de groupes d'études sur la chasse, sur l'agriculture, sur les rapatriés, sur les handicapés. Tous ces sujets-là, c'est un travail de commission. Ce n'est pas forcément dans l'hémicycle. Nous avons un système de fonctionnement dans les grands partis avec des représentations pour qu'il y ait au moment du vote toujours, bien sûr, les votes nécessaires. Mais c'est propre, je ne vais pas citer... le député maire de Toulouse, qui est beaucoup plus fléché que moi par rapport à ça. Moi, je suis parlementaire et je fais pleinement mon travail, et en circonscription aussi, hein, quand on est parlementaire. Hier, par exemple, j'ai rencontré les producteurs de lait dans le Tarn, dans le Lot aussi, etc. Mais c'est ça le travail d'un parlementaire. Il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un problème de cumul des mandats? Parce que alors, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Vous êtes maire de Montauban. Montauban, ce n'est pas rien. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi ce mandat-là. Si vous devenez présidente du conseil régional, ça va commencer à faire beaucoup. Ah, mais c'est impossible, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, je me suis engagée fermement. Il est clair que si je suis présidente de région,
et de mon mandat de maire, je le mettrai entre parenthèses, je resterai présidente de mon agglomération néanmoins, mm-hmm. et le mandat de député, bien sûr, j'y renoncerai, c'est clair. Mais par contre, sur le cumul des mandats, vous savez, il ne faut pas être démagogue. Moi, sincèrement, mon mandat national, mon mandat de député m'a beaucoup apporté, y compris pour ma ville de Montauban et Montalbanais l'ont bien compris. Vous savez, quand on n'est pas tellement accompagné par le conseil général, par le conseil régional, il est bon d'avoir des bons relais à Paris auprès des ministères pour récupérer ben, la manne financière dont on a quand même besoin dans nos collectivités. C'est ce que je compte faire. Pour garder l'influence un petit peu. Ben, je compte faire ça, notamment si je suis présidente de région, pour récupérer le plus possible pour Midi-Pyrénées, notamment avec le grand emprunt. Vous savez, le plan de relance, c'est 1 milliard d'euros qui ont été quand même investis en Midi-Pyrénées. Donc, je veux dire que les politiques de l'État, elles sont partout. Pôle de compétitivité, bon, tout cela, il faut qu'on le sache, c'est l'État qui les initie. Après, c'est aux régions de les relier. D'accord. Quel a été votre rôle sur ce plan de relance ? Mon rôle, c'était que c'est pas que l'État se méfie un peu de ses fonctionnaires, mais quelque part, c'est un peu ça. Les rôles des parlementaires, quand ils ont des missions, c'est de vérifier sur le terrain si ça fonctionne. C'est-à-dire, à côté de ce qui est remonté par les préfets, par l'administration centrale, il est bon de voir. Et là, dans ce cadre-là, par exemple, je rencontrais les préfets de région, je rencontrais les préfets de département pour voir qu'est-ce qu'on avait fléché par rapport aux grands chantiers, rénovation de cathédrales, les routes, les trains, etc. Mais derrière, j'allais toujours voir les entreprises, Fédération du bâtiment, Fédération de travaux publics, puisque c'était eux qui étaient les plus concernés par le plan de relance. Essayer d'avoir tous les acteurs. C'est ça. Et après, j'ai dû faire un rapport d'étape. J'ai fait des rapports d'étape pendant la mission, puisque je me suis beaucoup déplacée, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Et ensuite, un rapport final pour dire voilà les conclusions, là, ça a marché. Il y a du retard sur le logement social, par exemple. Sur les bâtiments, ça a plutôt bien marché. Et j'ai fait remonter surtout, j'avais rencontré aussi beaucoup le secteur bancaire. Vous savez, on était au moment de la crise bancaire aussi, pour voir s'ils jouaient bien le jeu. Et ce que je faisais remonter, c'est que ça ne marchait pas trop bien. Autant OSEO jouait bien le jeu. Vous savez, OSEO, c'est la garantie d'État pour accompagnement des finances publiques et notamment bancaires pour les entreprises. Et ça faisait partie des conclusions du rapport, c'est qu'il fallait accentuer pour que les banques jouent le jeu. C'est toujours d'actualité. Je suppose d'ailleurs que pour faire ce programme pour les élections régionales, ça a été plutôt bénéfique. Bien sûr. Ça, c'est vrai que ça m'a donné effectivement un éclairage et port d'entrée déjà sur cette crise qui est toujours là. Je veux vraiment dire que, voyez-vous, certes, on s'était tous dit après les européennes que l'enjeu de régional, ce serait le développement durable. Je ne sais pas si on va y venir. On va y venir. C'est vrai que c'est un vrai enjeu, mais aujourd'hui, ce dont je me rends compte, quels que soient les secteurs, agricole, PME, j'étais avec Medef tout à l'heure, l'Airbus l'autre jour, après avec Thales, enfin, tous les plus grands secteurs, eh bien, je me rends compte que la crise, hélas, est toujours là, qu'on a pu, grâce à tous ces plans de relance qu'on a mis en place, retarder, pallier à ce qu'on voit malheureusement de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. Vous voyez ces images terribles, je ne parle pas de la Grèce. Donc on voit bien que quand on y met les moyens, on peut influer sur les choses. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a encore à faire, je crois, sincèrement. Bon, au premier tour, vos objectifs ? Être devant. Être devant. Là, il y a un sondage qui est paru ce matin, vous avez dû... On m'en a parlé. Voilà, je pense qu'on vous en a parlé. 25% au premier tour, c'est quelque chose qui vous paraît crédible ? Eh bien, écoutez, j'espère me faire beaucoup mieux. Ouais. Il y a quelques mois, on avait dit beaucoup moins, d'après des sondages. Vous savez, les sondages, vous l'avez dit tout à l'heure, heureusement que je ne me suis jamais arrêtée, parce que sinon, je ne me serais jamais engagée dans la politique. Je pense que c'est déjà un progrès si vraiment ces sondages sont bons. C'est un instantané. Le vrai sondage, c'est l'élection. Et vous l'avez dit, ce qui est fort juste, le vrai enjeu, c'est quelques semaines maintenant, même pas 15 jours qui nous séparent du premier tour, c'est de convaincre les gens que la région, c'est important. Et c'est l'abstention qui est notre vrai adversaire aujourd'hui. Alors, au deuxième tour, il va bien falloir peut-être faire des alliances, parce que toute seule, ça va être quand même très compliqué. Aujourd'hui, la marge de manœuvre, elle est où, là ? Parce que pour faire des alliances, on voit le MoDem qui n'a pas très très envie, visiblement, de venir vers vous, mais en même temps, ils sont à 3%, donc c'est pas ça qui va faire la différence. À Montauban, vous avez toujours refusé de vous tourner vers le Front National. Ça continuera ? Alors, si vous voulez, je vais vous le rappeler, en 2001, j'ai été élue sur une triangulaire avec le Front National, qui a fait 12% au premier tour et qui en a fait que 4% au second tour. Moi, ce que je n'ai pas pu dire l'autre jour à France 3, puisqu'on m'a coupé, et quand on me parle chaque fois de ces histoires d'alliance, il y a un premier sujet, c'est que M. Onesta a considéré que c'était obscène, c'est qu'on peut quand même gouverner ensemble, même si moi je ne changerai pas ma liste, c'est sûr, au deuxième tour, mais que quand même, en fonction du résultat, il y aura peut-être des accords de gouvernance à passer. Et personnellement, moi, je n'ai pas à rougir de la politique qu'on a engagée avec le président de la République, que ce soit à Copenhague, que ce soit le Grenelle de l'environnement, et que je mets en œuvre sur ma propre collectivité. Donc, nous, je crois que dans ce domaine-là, on a vraiment déjà beaucoup d'avance, quoi qu'il en dise.
Après, moi, ce que je dirais très simplement, le soir du second tour, j'appellerai du premier tour, pardon, c'est d'appeler au vote utile. Hein. À un moment donné, c'est Christiane Peters dans le Gers qui disait « pour une région utile ». Eh bien, c'est ça, savoir ce qu'on veut. Nous, on a des enjeux, il y a des défis, il y a des rendez-vous à ne pas rater. Moi, j'appellerai au vote utile. Alors, vous parlez de Gérard Onesta, vous n'y avez pas tendu la main, mais presque. Au niveau du programme, vous dites être pas si loin que ça. Alors, ben, il était là hier, je lui ai posé la question. Ouais, ben, lui, vous dire, c'était normal. Mais écoutez, je le laisse répondre, je vous laisse écouter, puis on en parle après. Il était calme cette fois-ci ? Très calme. Ah bon ? Dans sa ville, elle brade. Tout ce qui est vivant est bradé. Elle privatise l'eau. Je suis allé manifester. Elle veut bétonner le plus grand parc de la ville pour le donner à des intérêts privés. Si l'air était à vendre, Madame Barège le mettrait en bouteille pour vendre également l'air. C'est une libérale jusqu'au bout des ongles. Le bilan environnemental du gouvernement Sarkozy est absolument pathétique. J'étais en première ligne au Parlement européen. Il ne faut pas l'oublier sur le paquet énergie-climat. J'ai vu sous présidence française comment ils l'ont vidé. Totalement vidé. Il n'y a rien sur les voitures, rien sur les transferts de technologies vis-à-vis du tiers-monde. Rien, rien, rien. C'est une escroquerie totale. Le Grenelle, vous avez peut-être entendu les violons. Moi, j'ai beaucoup entendu le pipeau. Alors, vous allez mettre l'air en bouteille. Bon, alors, sur Montauban, nous sommes la première communauté d'agglomération à avoir mis en place le plan climat. Ça veut dire quoi? Essayer de réduire les effets de serre. Donc, par exemple, des navettes électriques en cœur de ville. Mm-hmm. Par exemple, des expérimentations sur les huiles végétales pures dans le moteur de mes bennes à ordures et des camions. On a une flotte de 200 véhicules quand même sur la ville. Mm-hmm. Par exemple, tout ce que nous faisons, les liaisons douces, les pistes cyclables, tout ça, vraiment, on n'a pas à rougir de tout ce que nous avons fait à Montauban. Et je continuerai, quoi qu'il en dise. Sur, par contre, la politique de Martin Malvy dans ce domaine, j'aurais aimé quand même qu'il soit beaucoup plus sérieux, beaucoup plus critique. Il est dans l'anathème, c'est un rouge habillé en vert. En réalité, ce qu'il veut, c'est être positionné en bonne place auprès de Martin Malvy pour être au pouvoir, tout simplement. Moi, je dis que le bilan de Martin Malvy dans ce domaine-là est quasiment égal à zéro. Il faudrait qu'il le dise. Quand vous avez un budget qui est dédié au développement durable qui ne fait pas 2% par an, quand vous voyez la politique des transports, des TER, le rail, hein, les transports régionaux, eh bien, qui sont jugés par la Cour des comptes comme les plus polluants, ceux de Midi-Pyrénées, dans tous ces domaines-là où il n'a pas pris les rendez-vous qu'il fallait. Notamment, voyez-vous, quand je vois comme des régions, comme la région PACA, comme Grenoble, ont pu anticiper, on a de la haute technologie dans notre région, dans le spatial, dans la recherche, dans l'aéronautique, qu'on n'ait pas su s'emparer de ces sujets-là pour mettre en lien ces nouvelles technologies avec les défis de demain. C'est PACA qui a récupéré, malheureusement, la haute technologie sur le photovoltaïque. C'est Grenoble aussi qui est maintenant identifié pour les piles à combustible. Alors je dis, on a encore un enjeu sur Midi-Pyrénées. Nous avons des départements ruraux avec une agriculture de pointe, avec de l'agroalimentaire. Mettons en synergie ce secteur agroalimentaire, ce secteur de la recherche, pour faire en sorte qu'au moins mon Midi-Pyrénées, non seulement sur la première région en énergie renouvelable, mais également sur la recherche dans la biodiversité, en créant à côté et au sein du pôle de compétitivité cancer biosanté, un véritable pôle dédié à la bioénergie, avec la biomasse, avec tous ces sujets d'aujourd'hui. Faisons-en les enjeux et les défis de demain, les emplois surtout de demain. Alors ça fait partie de toutes les idées que vous défendez. Ah oui, vraiment. Toute la journée, en allant un petit peu tous les rendez-vous qu'on n'a pas pris. Je considère qu'on a pris du retard, c'est vrai, et que avec le grand emprunt, justement, malgré tout ce qui peut être dit, eh bien c'est là qu'on a des rendez-vous à ne pas rater. Vous avez les véhicules du futur, nous avons une industrie automobile qui souffre, on voit Molex, on voit d'autres entreprises, eh bien il faut les réorienter, les diversifier vers les véhicules propres. Par exemple, nous avons dans le domaine du textile des paris là aussi à relever, il y a tous les véhicules du futur, je viens d'en parler, il y a toutes les énergies renouvelables où il faut qu'on assure notre indépendance énergétique. Quand on voit que les raffineries de Total risquent de paralyser l'intégralité de l'activité, pas seulement l'économie, des transports de notre pays, eh bien, on a de l'eau en Midi-Pyrénées, on a de l'eau. Le bilan sur l'eau, quand même, Martin Malvy, il a deux casquettes. Il est président de l'agence de l'eau à Dour-Garonne et il est président du conseil régional. Et on n'est pas encore arrivé à faire des réserves hydrauliques qui nous permettraient à la fois de ne pas manquer d'eau potable, de pouvoir irriguer nos céréales et en même temps de créer de l'énergie hydraulique à peu de coût. Donc tout cela, ça, je compte, oui, avoir une politique vraiment efficace, volontariste dans tous ces secteurs de demain et d'aujourd'hui. D'accord, alors
On va parler de ces idées. Il nous reste quasiment 20 minutes pour le faire. Ah, d'accord. Donc, juste avant, il y a trois questions. Vous y répondez assez rapidement. Avec plaisir. Que je pose à chaque candidat. La première, vous voyez de quel œil, vous, la suppression de la taxe professionnelle? Moi, je dis que c'est une bonne chose parce que ça nous évite, ça permet de dépénaliser nos entreprises qui avaient, vous savez, beaucoup d'investissements matériels qui payaient la taxe professionnelle dessus. Et ce qui fait que malheureusement, ben, ça avait entraîné des délocalisations parce que on pouvait produire moins cher et moins taxé ailleurs qu'en France. Donc, c'était le but recherché par la suppression de la taxe professionnelle. Tout le monde s'accordait à dire que c'est un impôt imbécile, sauf qu'à un moment donné, personne n'ose faire les choses. C'est ce que je repose souvent à Martin Malvy. Hein. Il fait 12 ans qu'il est au pouvoir, mais il n'a jamais anticipé les sujets, notamment sur la LGV. Bien, donc là-dessus, je dis que c'est une bonne chose pour les entreprises. D'ailleurs, j'ai vu des chefs d'entreprise qui en sont ravis. De toute façon, ils paieront un impôt, mais qui sera plus juste, qui sera sur la valeur ajoutée. Bon, c'est normal, quand on fait des bénéfices, qu'on paie un impôt, hein, c'est normal. Derrière cela... Il y a les collectivités. Alors, ça a été un enjeu des régionales. On a beaucoup fait peur, évidemment, aux petites communes, notamment celles qui ne touchaient pas de taxes professionnelles. C'est assez risible quand même. En disant, oh là là, l'épouvantail. Si on n'a plus de taxes professionnelles, on n'a plus de recettes pour les collectivités. Donc, on ne pourra plus vous aider sur vos communes. On ne pourra plus vous aider sur vos clubs associatifs. Tout ça, c'est de la politique politicienne. C'est faux. L'État s'est engagé et l'a prouvé. Aujourd'hui, tous les maires, tous les conseils généraux, toutes les régions ont reçu la dotation 2010 qui est équivalente au moins à 2009, voire même plus. Moi, sur mon agglo, je vais avoir plus en recette au titre de cette dotation de l'État pour remplacer l'acte professionnel. Donc, tout cela est faux et je veux le dénoncer. Au Conseil général du Tarn-et-Garonne, on en a profité pour énerver les gens, vous comprenez, c'est les élections régionales, de diminuer de 15% toutes les subventions des clubs sportifs, des clubs culturels, alors que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, la taxe professionnelle, la réforme des collectivités, ça va dans le bon sens. C'est pour simplifier les choses, pour les entreprises et pour les collectivités. Et l'enjeu, comme bien compris nos des présidents de conseils généraux, c'est que aujourd'hui, elle sera plus juste. C'est-à-dire que la dotation d'État, avant, ça passait, sauf pour les agglos où nous, on touche à taxe professionnelle en direct, ça passait par les conseils généraux, qui, suivant que vous votez bien ou mal, vous donnent plus ou moins de manne du conseil général. Aujourd'hui, l'État va verser directement aux communes cette dotation. Et c'est là tout l'enjeu, vous comprenez bien. Parce qu'ils perdent là leur pouvoir de tutelle, leur pouvoir électoral, leur prédominance, leur hégémonie. Dans cette région, vous savez, moi j'aime la liberté. J'aime profondément la liberté à tous les niveaux. Je ne suis pas une libérale, mais j'aime la liberté. Eh bien, à ce titre-là, je considère que dans une région où tous les pouvoirs sont détenus par la gauche, il est temps peut-être de mettre un peu d'oxygène, un peu de démocratie, un peu d'alternance. Et le vote sanction, eh bien, il est plutôt dans ce sens-là. Alors, deuxième question, en plus rapide, doit-on faire un axe autoroutier entre Toulouse et Castres? Bien sûr, il n'y a pas que le rail, il faut organiser vraiment l'aménagement du territoire, c'est une compétence régionale, j'ai oublié de le dire. Il est anormal qu'on n'ait pas réfléchi plus en amont comment faire en sorte qu'il n'y ait pas que Toulouse et les 8 départements autour et que les 5 autoroutes déboulent sur le périphérique de Toulouse aux heures de pointe. Il faut vraiment impérativement organiser la multimodalité, c'est-à-dire la complémentarité entre la route et le rail, entre le parking relais et les vélos avec des plateformes multimodales. Vous avez vu mon programme. Tout ça doit être organisé, mais ça doit être pensé à l'échelle de la région. Et ça, on n'a pas anticipé là non plus pour faire les réserves foncières nécessaires. Bon, et pour finir, doit-on mener une politique de réintroduction de l'ours dans les Pyrénées? Ah, ça, c'est un vaste sujet qui fait polémique. Moi, je suis pour le respect des équilibres. Vous savez, le respect, c'est mon maître mot, le respect, la liberté. Je crois que, je pourrais vous dire très sommairement, les ours en Slovaquie, je pense qu'il y a des enjeux quand même forts de tradition, hein, de la chasse, par exemple en Midi-Pyrénées, notamment dans l'Ariège, les Pyrénées un peu partout, dans toutes les régions. Je pense qu'il faut préserver quand même nos agriculteurs, le pastoralisme, vous savez, c'est l'agriculture de montagne, hein, l'élevage au vin, qui souffre quand même beaucoup de cette introduction de l'ours. J'ai vu notamment du côté de Luchon des éleveurs qui me disent tous les ans on a des agneaux égorgés. Bon, je trouve que c'est une politique coûteuse quand même. Au titre de la biodiversité, vous savez, il y a beaucoup mieux à faire, me semble-t-il. Il y a d'ailleurs des ours dans les Pyrénées. Hein. On n'avait pas besoin de les amener de Slovéquie. Hein. Il y en a dans les Pyrénées. L'ours brun, il est quand même là en Espagne et en France. Je pense qu'il faut savoir garder juste équilibre. Il faut que les forêts appartiennent à tout le monde, qu'on ne fasse pas des sanctuaires, des zones préservées où on n'ose plus aller, soit pour ramasser des champignons, soit pour chasser, soit pour se promener tout simplement. Voilà, moi je crois qu'il ne faut pas être doctrinaire. Mon maître mot, ça aussi. Moi je ne suis pas doctrinaire comme M. Onesta. Moi j'essaie d'être pragmatique. J'essaie de préserver l'enjeu et les intérêts de chacun. Et bon, ça, je crois que souvent on oublie l'intérêt général.
pour revenir plus près de ces élections, Martin Malvy dit que vous êtes son unique adversaire. Et c'est gentil. Il veut qu'à travers vous, on sanctionne, ou en tout cas les électeurs sanctionnent la politique de Nicolas Sarkozy. Alors juste, je vous laisse écouter et puis on en parle après. D'accord. Je n'ai qu'un vrai adversaire, c'est l'UMP. Parce que la manière dont l'UMP, les parlementaires UMP, les élus UMP conduisent aujourd'hui la politique de la France avec le gouvernement et Nicolas Sarkozy sont diamétralement opposés à ce que je pense de ce qui est le contrat social, de ce qui est l'égalité des citoyens ou de ce qui est l'aménagement du territoire. On est dans un système à la dérive dans lequel le privilège des plus riches devient maintenant pratiquement insultant, provoquant les salaires des patrons du CAC 40, l'histoire de M. Proglio, tout ça c'est une offense à notre identité, à notre unité nationale. Et puis sur les politiques locales, de casse des services publics, d'abandon des politiques d'aménagement du territoire, on ne peut pas être en accord avec ces politiques. Ou avec certaines des propositions que fait la candidate UMP, qui sont aussi diamétralement opposées aux intérêts de Midi-Pyrénées. Quel doit être le jugement de la politique de Nicolas Sarkozy ? C'est très astucieux. On savait bien que ça se passerait comme ça. Ils m'ont fait pareil pour les municipales. Ça évite de parler de son bilan. Et moi, je voudrais qu'on ramène vraiment le débat à ce qu'il doit être, c'est-à-dire une politique d'aménagement du territoire. D'accord. Qu'avez-vous fait, M. Malvy, pour faire en sorte que ce que je viens de dénoncer fonctionne mieux, la SGV, tout ça. Qu'avez-vous fait pour l'emploi, M. Malvy ? Vous avez consacré 2% à peine de votre budget à l'agriculture qui souffre aujourd'hui. Et tout d'un coup, parce que j'en parle, on va mettre en place un fonds de garantie. On ne fait pas ça un mois des élections, ce n'est pas raisonnable. Qu'avez-vous fait pour la recherche ? J'apprends qu'à un mois des élections aussi, on va enfin mettre en place un schéma régional pour la recherche. Qu'avez-vous fait pour l'emploi ? Qu'avez-vous fait pour l'économie ? Placer les petits copains dans des agences régionales qui coûtent cher, ça oui. Mettre un candidat cégétiste de Molex sur votre liste, c'est de l'affichage. Moi, je dis qu'il y a beaucoup mieux à faire et c'est précisément l'enjeu de régional. Alors, nous ne trompons pas de combat. Je ne suis pas là pour être un bouclier des politiques de l'État, comme il veut dire, ça ne veut rien dire, le bouclier social contre le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, je vais lui en parler, 30% d'augmentation des impôts. Moi, je suis bouclier fiscal, oui, de la politique de Martin Malvy. Mais là, nous devons être dans cette guerre économique à côté des politiques de l'État comme des leviers pour démultiplier la politique de l'État, pour faire en sorte de lutter contre ce problème qui arrive, qui est là, cette crise que personne n'a l'air de vouloir voir en Midi-Pyrénées et qu'il nous faut véritablement enrayer. Alors c'est très intéressant dans cette campagne en Midi-Pyrénées parce que tous les candidats, vous avez plus ou moins les mêmes thèmes. Donc, au moins, l'emploi, il n'en parle pas. À comparer, et, sauf Martin Malvy, c'est ce que j'avais dit. C'est incroyable. Dire. L'agriculture, l'emploi, le développement durable. Bien sûr. Tout le monde voit les problèmes là où ils sont finalement. Sauf lui. L'autre soir, j'étais effarée sur le débat de France 3 quand il nous dit l'emploi, c'est pas moi, c'est l'État. Ça me rappelle le maire de Montauban en 2001 qui disait la sécurité, c'est l'État. Sauf que c'est vrai, l'État a ses responsabilités, mais l'agent, enfin, c'est pas la peine de se présenter à des élections si on dit en disant je peux rien faire. À ce moment-là, je veux que Midi-Pyrénées entende, Monsieur Malvy ne peut rien faire pour l'emploi. C'est ce qu'il a dit l'autre soir. Moi, je dis que nous pouvons faire. Et je vous ai donné les recettes. Il y a cet enjeu considérable des pôles de compétitivité, du grand emprunt. Vous ne pouvez pas dire en mettant 2%, 100 000 euros par an sur les pôles de compétitivité, que ce soit Aerospace Valley, que ce soit Agrimib, que ce soit. Mais en même temps, on fait de l'affichage. Alors ça fait partie du catalogue, le catalogue qu'il nous présente pour son projet et son bilan. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'on y met derrière. Sur la recherche, c'est même pas 2%. J'ai vu des chercheurs qui nous disent qu'on a beaucoup à faire sur cette région, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc moi je dis, l'emploi, nous pouvons, le développement durable, nous pouvons, ce sont les emplois de demain justement, et l'aménagement du territoire, alors c'est vraiment la compétence, et je suis désolée de dire que le bilan il est zéro, désolée de le dire vraiment, très négatif pour Martin Malvy. Bon, l'agriculture, bon, ça vous tient particulièrement à cœur, on l'a dit tout à l'heure, votre mari est arboriculteur, donc vous touchez de près les problèmes ? Vraiment, je crois pouvoir dire oui, parce que donc j'ai découvert ce métier, ce sont des métiers en fait, et dans les 8 départements que j'ai traversés, très divers bien sûr, selon les productions, ce que je constate sur le terrain, ce que j'ai vu déjà pendant mes comices agricoles de l'année dernière, c'est cet immense désarroi du monde rural. Bon, il y a eu le lait, mais il y a les productions céréalières, l'élevage. Alors, plus ou moins, parce qu'on voit bien quand même que quand vous avez des démarches qualité, j'avais l'agneau du Quercy dans le Lot l'autre jour, on voit que ça permet quand même de se tirer un peu mieux l'épingle du jeu. Mais tout n'est pas fait, malheureusement. Là, il y a des politiques volontaristes à porter ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et au niveau européen, notamment. Bien, par exemple, je dis que l'Europe
l'Europe, bien, c'est la dimension où doivent s'exprimer les régions. Les landers allemands, les régions espagnoles, italiennes, elles y sont déjà. Les anglo-saxons, j'en parle même pas, avec une politique de lobbying beaucoup plus puissante que la nôtre. Il faut défendre nos intérêts économiques, le spatial, l'aéronautique, mais l'agriculture aussi. Nous allons renégocier la PAC en 2013. Il ne faut pas attendre 2013. C'est d'ores et déjà qu'il faut se battre pour notre agriculture de pointe qu'on a en Méditerranée, au niveau de l'Europe, au niveau aussi des investissements locaux. Par exemple, bon, dans l'urgence, je crois qu'il faut mettre en place un fonds de garantie tout de suite, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à... J'ai vu une dame en pleurs hier soir, qui m'a dit, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire le mois prochain, j'arrive juste à sortir de quoi me manger et me nourrir. Ça, on ne peut pas être vraiment indifférent à ça, ce n'est pas possible qu'on ne le voit pas. Et moi, je le dis, et tout d'un coup, il dit, on va mettre un fonds de garantie. C'est vraiment être autiste, c'est vraiment ne pas voir les problèmes. Moi, je considère qu'il y a un plan de sauvetage à mettre en place. Et après, il y a des filières à organiser. Elles sont déjà organisées, mais il faut davantage les promouvoir. C'est ce que nous ferons si je suis élue à la tête de cette région, bien sûr. Il y a la politique de l'eau qu'attendent beaucoup les agriculteurs dans certains départements, dont le Vaud, le Gers, Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne. Tous ces sujets-là où on a été absent parce qu'on ne voulait pas déplaire à quelques écolos, on n'a pas construit le barrage de Charlas. Bon, c'est fait, c'est derrière nous, ça fait 20 ans qu'on en parle. Nous, on va faire ça tout de suite, peut-être avec des procédés moins coûteux qu'un barrage, pour faire en sorte qu'on ait de l'eau quand on en a besoin, c'est-à-dire l'été. C'est pour les agriculteurs qui sont déjà en place, pour les jeunes qui veulent s'installer. Alors là, il y a toute une. C'est très, très compliqué. Là, c'est très compliqué, vous avez raison. C'est vrai qu'il y a des petites politiques d'aide, mais qui ne sont pas suffisantes. Hier, c'est la semaine dernière, j'étais à Revel, donc avec les jeunes agriculteurs qui avaient invité toutes les têtes de liste pour parler précisément de l'installation des jeunes. J'étais le seul chef de file à être là. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je l'ai porté à l'Assemblée nationale. Ça sert un peu, vous voyez, en 2004 avec la loi d'orientation de l'agriculture pour aider par le bail cible, mais pour aider aussi à la reprise des exploitations, même entre parents. Parce qu'on voit bien quand même que nos agriculteurs, c'est un peu normal, quand ils arrivent à la fin de leur vie, ils n'ont que ce capital parce que la retraite, elle n'est pas terrible. Eh bien, pour pouvoir vivre la fin de leur jour. Et c'est normal aussi qu'on leur énumère le produit de tout le travail d'une vie. Donc il faut organiser tout ça, soit par des biais de prêts soutenus, soit par des baux qui seraient garantis par la région, par toute une politique qui peut être déclinée et qui ne sera pas forcément coûteuse, mais qui sera surtout très, très efficace, à mon avis. Alors, on va passer au transport. Aménagement du territoire aussi. Il y a beaucoup à faire ici, oui, en Midi-Pyrénées. Oui. C'est ce qui ressort en tout cas de votre journal de vos idées en tout cas. Oui. Vous voulez plutôt privilégier le bitume ou le rail? Tout à l'heure, vous disiez que c'était plutôt les deux en même c'est temps. C'est évident. C'est évident. Axe autoroutier. Les autoroutes, elles existent. Comme on en parlait Il faut finir ce morceau d'autoroute. On en parlait 10 minutes pour faire Toulouse et Castres. Oui. Est-ce que réellement, par rapport aux investissements qu'il y a à faire, gagner 10 minutes, ça vaut le coup de faire Sincèrement, oui. Sincèrement, oui. Il fallait toute l'énergie de Pierre Fabre pour rester à Castres parce qu'aujourd'hui, les entreprises qu'elles veulent pour s'installer, si on veut que nos 8 départements se développent en même temps que Toulouse, moi, je ne suis pas pour que tout s'agglomère autour de Toulouse. Toulouse, la capitale, c'est la métropole, il faut qu'elle rayonne, bien sûr. Mais il faut qu'elle soit accompagnée par les PME dans tous les départements. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il vous demande, chef d'entreprise? Il vous demande de l'accessibilité, c'est-à-dire une accessibilité par le rail, mais ça ne marche pas toujours très bien le ferroutage, ou par la route. Et là, il y a des tronçons, il n'y a pas grand-chose. Des petits bouts à faire, la RN88 entre Rodez et Albi, les 40 km dont vous parlez entre Toulouse et Castres, un petit morceau d'autoroute du côté d'Axe-les-Thermes. Bon, tout ça, il faut le faire, en complémentarité avec le rail, je vous l'ai dit. Et en même temps, la deuxième chose que vous demande vraiment les chefs d'entreprise, c'est le très haut débit partout. Un grand programme. Moi, je n'ai pas idéologique, voyez. Le partenariat public-privé, ce qu'il appelle la CAS, et qui me reproche dans mon départ, dans ma ville, bien, ça permet de trouver des financements via le grand emprunt. On va avoir un très gros projet, vous savez, sur le grand emprunt, sur le développement du numérique, sur l'ensemble des territoires, emparant-nous de ce sujet, en faisant une complémentarité entre le public et le privé, pour que notre région, qui est une belle région, mais qui est la plus grande de France, une fois et demie la Belgique, eh bien, puisse être accessible partout, et notamment par Internet. Alors, l'idée, c'est de traiter Toulouse, de traiter la première couronne, et après de désenclaver les Tout autres... en même temps, il faut faire un schéma régional, donc à l'échelle régionale, de ce développement donc d'infrastructures routières, rails et tout le reste pour l'aménagement du territoire. Et puis après, on fera un plan d'investissement pluriannuel en fonction, évidemment, de l'argent qu'on pourra dégager en complément de tout ce que je vous ai dit avec le privé. Vous pourquoi mettre en pas place un pass mobilité aussi. Absolument. Et un pass mobilité, je l'ai vu ça quand j'étais... Voilà un travail de parlementaire où j'étais pas à l'Assemblée, mais j'étais... C'était de Robien à l'époque, en 2005, qui m'avait chargé une mission sur la complémentaire interne entre les villes moyennes et métropoles. Et j'avais vu dans la région du
du Rhône, même Rhône et Rhône-Alpes, sur deux régions, vous aviez, avec un seul ticket, vous arriviez à prendre un bus, le métro, un train, un taxi, avec le même ticket, avec le même prix, ce qu'on appelle un pass mobilité, un ticket unique. Mais ça, c'est génial. Et après, vous faites une politique tarifaire pour les jeunes, pour les gens défavorisés, pour les familles. Mais l'idée du pass mobilité, c'est une idée qui m'est chère, effectivement. Alors, toujours sur les transports, la LGV, c'est pour bientôt. Trop tard, on aurait envie de dire. Trop tard, trop tard. C'est une région qui est très belle, très enclavée, il faut bien le dire. Au fin fond de la France, on la trouve belle, mais pour Paris... Quand on leur dit de venir, ils ont l'impression qu'ils vont au bout du monde. Alors pourtant, que je leur dis, attendez, c'est quand même pas exagéré. Bon, quand on sera avec la LGV à 2h40 de Toulouse à Paris, comprenez bien que ça changera les choses. Moi, pour ma fille qui faisait tout encore à Paris, mais pour les chefs d'entreprise, pour tout le monde. Parce que tout le monde ne peut pas prendre d'avion et que, bon, si on veut parler de développement durable, il y a une place pour l'aéronautique, mais il y a une place aussi pour le rail. Donc c'est dommage que là, on n'ait pas anticipé, qu'on n'ait pas fait les réservations foncières, qu'on n'ait pas été. La région, c'est le chef de file des transports et c'est le chef de file de l'aménagement du territoire. Ce sont des rendez-vous qu'on a ratés. Moi, je dis aujourd'hui, c'est pas normal qu'aujourd'hui, alors ça fait 2012, ça fait 12 ans que Martin Malvy est au pouvoir, qu'on vous parle encore de la LGV, peut-être en 2020. Vous vous rendez compte du temps perdu ? On est la dernière région de France à pas avoir la LGV. Et on voit. Elle passe sur votre commune et ça crée forcément des côté, des problèmes. C'est pas la gare de Montauban. Hein, évidemment, on est dans les caricatures. Alors on dit c'est la gare de Montauban contre la gare de Bailly. Non, c'est pas la gare de Montauban non plus contre Toulouse. C'est une gare qui va permettre de désenclaver 5 départements et un bassin de vie de 1 million de personnes. Les études ont été faites. Ce sera même d'ailleurs la Haute-Garonne parce que ce sera beaucoup plus accessible de venir, non pas à Montauban, mais à Bressol, vous voyez, c'est même pas Montauban, parce que on a un carrefour autoroutier, on a un carrefour ferroviaire. Ça sera plus facile que venir à Matabiau pour certains, notamment ceux de Fronton, vous voyez, de Villemure. Et tout ça, il faut voir que c'est un enjeu qui concerne notre région. C'est la gare de Midi-Pyrénées, oui. Alors, je la porte, mais pas toute seule, hein, tout le monde. Mais nous, on a déjà, ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce projet. C'est parce que ça s'anticipe des projets comme ça. Alors, LGV, ça veut dire oui ou non au second aéroport ? Alors, je vous avoue que je pensais que ça suffirait. Et tout à l'heure, j'étais avec le MEDEF, qui disent que dans 20 ans, peut-être, il ne faut peut-être pas s'interdire de réfléchir à un deuxième aéroport. Ça me paraît moins urgent, peut-être, si on a LGV, mais il aurait fallu qu'elle arrive plus vite, c'est certes. Alors, au niveau éducation, vous proposez un PC pour chaque lycéen, du Wi-Fi dans tous les lycées. Ah oui. Généralisation aussi des stages dans les lycées. L'idée, c'est quoi ? C'est de rapprocher le monde du travail et le monde de l'éducation ? Absolument. Vous vous rendez compte que la formation professionnelle, c'est 400 millions d'euros du budget de la région. C'est presque 40% de son budget qui concerne les lycées, la formation professionnelle, en partenariat avec les entreprises, vous le savez, puisqu'il faut le savoir, quand même, la formation professionnelle, à moitié, elle est quand même financée par la taxe d'apprentissage que paient toutes les chefs d'entreprise. Eh bien, il faut mieux l'organiser, parce que je rencontre quand même beaucoup de gens qui me disent, l'autre jour, j'avais les professionnels d'automobile qui me disent qu'ils ne trouvent pas de personnes, tout simplement, qui ont un permis poids lourd, ça paraît incroyable. Je vois des chercheurs qui me disent qu'il faudrait aider à une formation plus qualifiante pour qu'on ait des ingénieurs qui soient les futurs chefs d'entreprise. Je crois qu'il y a beaucoup à faire sur la formation professionnelle, mais vous avez raison, ça passe par une adéquation entre l'offre et la demande. On ne va pas créer des emplois qui serviront à rien. Il faut faire des emplois qui calent avec les besoins des entreprises. Donc, il faut une synergie totale entre le privé, entre l'entreprise et entre l'université, le lycée ou les centres de formation d'apprentis. Alors, pour rester là-dedans, je l'ai mis à part, vous prenez aussi la vidéoprotection dans les lycées. Oui. Alors, ça sert à quoi ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Moi, c'est un sujet, si vous voulez, moi, je m'en suis emparée en tant que maire. La vidéoprotection, la vidéosurveillance et les caméras, c'est vrai. Je m'engage, c'est vrai, à en mettre non seulement dans les lycées, parce que c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui, avant, on se tapait la gueule à la récré hein, pour un jeu de billes. Maintenant, c'est à coup de couteau que ça se passe, à un moment donné, avec des intrusions de personnes en cagoule, masquées, qui ne sont même pas du lycée. Donc, vous savez, il n'y a aucune autre solution que de mettre des caméras. Non, mais il y a déjà du personnel, mais on en voit les limites. Moi, je vous donne mon exemple d'Albanais. Nous avons beaucoup investi sur la sécurité, mais à un moment donné, sur le cœur de ville, nous avions des poches résiduelles de délinquance, voilà, à la roulotte, du deal, etc., en pleine rue. Et pourtant, on ne peut pas avoir un policier à chaque coin de rue, ce n'est pas possible. C'est pareil pour les internats de lycée. Donc, à un moment donné, c'est vrai que la caméra est l'outil complémentaire qui vient en renfort
pour permettre d'être présent à tout moment sur les lieux où il peut malheureusement, on peut le déplorer, mais c'est la réalité, se passer des choses extrêmement graves. Et je ne préconise pas que dans les lycées, mais aussi dans les gares. Dans ces gares multimodales que nous allons organiser, elles seront sous vidéoprotection, bien sûr, pour protéger les voitures, tout simplement des parkings, comme je l'ai fait dans ma ville de Montauban. Ça peut déplaire, mais il y a un résultat derrière, c'est la protection de nos biens et de nos personnes. Alors, depuis tout à l'heure, et c'est pareil dans vos idées, dans votre catalogue, vous expliquez, aujourd'hui, Martin Malby fait ça, la part dans le budget, la part dans le budget, c'est ça, moi je veux l'augmenter de temps. Okay. Finalement, à force de tout augmenter, l'argent, vous le trouvez où? Ben justement, je vais mieux le répartir. Par exemple, sur l'économie, j'ai découvert, bon, c'est pas beaucoup déjà, 3%, mais ce qui est scandaleux, ben, plus je me plonge dans cette organisation régionale, c'est que vous avez tout un tas de satellites, d'agences régionales, que j'appelle parasites, avec des beaux noms ronflants, Midi-Pyrénées Innovation, Midi-Pyrénées Expansion, Midi-Pyrénées Création, enfin j'en découvre encore, hein, je ne les connais pas toutes, et qui coûtent plus cher que ce qu'elles sont chargées de faire. Je prends toujours l'exemple de Midi-Pyrénées Innovation. C'est normalement fait pour aider les PME innovantes. Eh bien, chaque année, ça coûte 1,2 million d'euros à la région en frais de fonctionnement pour distribuer 400 000 euros hein, en destination des entreprises. Et moi, je dis tout ça, on met tout ça à plat, et tout cet argent, le 1,2 million plus les 400 000 euros, tout ça, on met en direction des entreprises. Et voilà où je trouve l'argent. Après, peut-être voir dans la répartition du budget, et c'est pour ça que je vous dis que je travaille actuellement sur la formation professionnelle, voir si on ne peut pas mieux le répartir aussi pour faire en sorte eh bien, d'être plus efficace si on a besoin. Je dis qu'aujourd'hui, il faut tripler le budget de l'agriculture, ça je m'y engage. Mmh. Et pour le reste, d'organiser mieux les choses surtout. En ce qui concerne le développement durable, on y arrive quand même. On en a parlé un petit pardon, peu. On en a parlé un petit peu, mais on y arrive. Finalement, tout le monde est obligé d'avoir une partie verte aujourd'hui dans son programme. C'est pas une partie. Je dirais, au même temps que je dis que l'emploi, pour moi, c'est le fil rouge, le développement durable, c'est un fil vert. Puisque c'est pas que la protection de la planète, c'est pas que le mettre des fleurs et des petits gazons, c'est derrière tout ce qui est le pilier social derrière, c'est l'emploi, c'est notre vision de la qualité de vie qu'on veut apporter à nos concitoyens, c'est la défense de l'eau, hein, qui est un outil absolument indispensable. Je parlais d'indépendance alimentaire, d'indépendance énergétique, l'indépendance de l'eau, c'est important, hein, on n'en a pas tant que ça. On en a beaucoup, mais on ne la garde pas, par exemple. Voilà, tous ces sujets-là, ils sont en toile de fond sur tous les projets. Et donc, en plus, eh bien, vous avez raison de le dire, c'est un enjeu fort parce qu'il y a ce grand emprunt qui nous dit ne ratons pas ces rendez-vous avec les défis de demain qui passent précisément par de futurs emplois dans ce domaine, par des futurs enjeux pour notre planète. Et donc, moi, je vais être présente à ce rendez-vous. Et c'est vrai, c'est un projet fort dans l'intérieur de mon projet. Alors, quand on le regarde, justement, ce sujet fort, il y a toute la partie que tous les candidats ont, le développement durable, je vais le retrouver, créer des énergies renouvelables, tout ce que vous avez dit juste avant, c'est pas très original. Mais par contre, après, vous proposez, vous, une Green Valley. Ça, c'est l'originalité quand même. Voilà. On se dit que pourquoi pas, il y a la Silicon Valley, ben, pourquoi pas la Green Valley, pourquoi pas faire de Midi-Pyrénées, qui a ces deux atouts dont je parlais tout à l'heure, à la fois des secteurs de pointe de la recherche, hein, Astrium, Thales, bon, on ne va pas redire, vous les connaissez, des chercheurs, un pôle universitaire fort, hein, le deuxième de Midi-Pyrénées, j'en ai pas parlé, c'est un enjeu aussi régional. Et pourquoi ne pas mettre tout ça en synergie pour créer sur place, en Midi-Pyrénées, alors qu'en plus, en même temps, on a l'agriculture avec toutes ces filières formidables, et eh bien, quelque chose qui serait eh bien Midi-Pyrénées, première région pour donc tous les enjeux de développement durable. Moi, je voulais le faire à Montauban, mais bon, maintenant que j'ai une ambition régionale, je vais le faire. Je propose de le faire au niveau régional, je serai équitable. Mais mettre en synergie la recherche, l'université, l'industrie et donc après l'agroalimentaire, tous les pôles de compétitivité en fait. Bon, alors il nous reste 2 minutes d'émission, alors on va passer à la dernière partie. Je vais vous demander de répondre très vite à ces questions. Ah oui. Dans 15 jours, c'est les élections, un peu plus de 15 jours. Moi, j'ai apparenté ça à un entretien d'embauche devant les électeurs, alors je vais vous faire un petit entretien d'embauche. Alors, est-ce que vous pouvez me donner 3 qualités et 3 de vos défauts? Ma qualité, ma sincérité, mon énergie, mon courage. Alors, c'était... Après, mon défaut, ce sont les revers de ces qualités, c'est que la sincérité affranchie, c'est que dès quelqu'un pense que je parle, je dis des choses qui dérangent, mais bon, je considère, j'ai une parole libre, voilà. Mes défauts, peut-être impulsive, oui, c'est peut-être ce qui fait que je suis énergique aussi.
toujours plus compliqué de trouver les défauts. Hein. Non, mais si, je vais être honnête avec vous quand même. Bon, la gourmandise, c'est pas un gros défaut. On va rester là-dessus, on va rester là-dessus. C'est quoi réussir pour vous? Il dit oui. C'est quoi réussir pour vous? Réussir pour moi, ben, c'est de réussir à convaincre les électeurs de voter pour pas que pour moi, hein. C'est pour toute la liste que je représente. Mm-hmm. J'ai oublié d'en parler de cette liste, elle est formidablement jeune, renouvelée, mais surtout diversifiée. Je crois qu'on peut dire que toutes les professions sont représentées, que ce sont tous des personnes de terrain, j'y tiens beaucoup. Je vous l'ai dit pour moi, mais je pense aussi à mes colistiers. Et notre volonté vraiment, nous battre vraiment pour notre région. C'est pas que des mots, hein, c'est que je suis de Midi-Pyrénées, je suis née dans Midi-Pyrénées, c'est pas comme M. Piquet. Je suis née, vous l'avez dit, j'y suis née, j'ai vécu, je suis pratiquement dans tous les départements et j'ai envie, elle est très belle cette région, qu'elle soit une région de pointe en Europe. Bon, 15 secondes, votre principale réussite, votre principal échec. Principale réussite dans ma vie toute court ou ma vie politique? Tout, n'importe quoi. Ma famille. Et votre principal échec? Mon principal échec... qu'est-ce que je peux vous dire? Je serais ambitieux, prétentieux de dire que je n'ai pas eu d'échec. On reste sur un blanc? Pardon, j'ai ce défaut, alors, ou cette qualité, de considérer que toujours un échec, c'est toujours une façon de progresser. Et c'est un nouveau défi à relever. Quand j'étais avocat, quand je perdais en première instance, je me battais pour gagner en cours d'appel. Donc je considère qu'il faut toujours faire de son échec plutôt un nouveau défi. On restera sur cette réponse philosophique. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je remercie toute l'équipe de Toulouse Info, l'équipe technique de Media Broadcast Technologies et une mention spéciale à Marc Russello, notre réalisateur de ce soir. Bonne soirée devant les programmes de Toulouse Info.